Eh bien, salut tout le monde. Cette vidéo sera commentée en différé parce que malheureusement, comme un gros boulet, j'ai pris en vidéo l'opening sans le micro. Je sais, je suis tellement con. Donc j'ai acheté pour un peu plus de 20 euros de clés, je sais, 10 clés quoi. Je sais plus exactement le prix, mais un tout petit peu plus de 20 euros, ça n'a pas dépassé les 25. Donc on est parti pour ouvrir les caisses breakouts. Je ne sais plus du tout ce que j'ai eu dedans, je m'en rappelle plus. Un super SSG 08, super. De la merde. C'est comme d'hab, hein, que de la merde. Ah quoique, peut-être qu'après j'ai eu quelque chose de bien, je m'en rappelle plus. Pour pas trop spoil. Ah, et là, vous voyez la P90 Asimov qui est passée. Du coup j'avais un peu le seum. Hein. Le pire c'est que quand j'ai pris en vidéo, j'étais en train de commenter et tout, tranquille. Mais j'ai complètement zappé de remettre le son. T'as la gros boulet. Ah là là. Et ouais, encore du bleu, super. Même juste du violet, j'aurais été content, hein, franchement. Et vous voyez mon grade aussi à gauche. Attendez. Hop. Ah, le fameux AWP de verre que j'ai récupéré. Donc ouais, donc je disais, vous voyez mon grade à gauche, mais c'est plus le même. J'ai augmenté, je suis double AK maintenant. Prochaine étape, le shérif. Et cette vidéo a été tournée hier. Hein. Là, je refais le commentaire aujourd'hui. Allez, une Vanguard. À chaque fois, j'étais en train de prier là pour le couteau, le couteau, le couteau. Un Super Max 7 de merde. Tout rouillé, tout dégueulasse. Oh là là là. Alors, regarde les qualités au calme. Et ce qui me fait chier par contre, c'est que apparemment je peux pas filmer avec Shadowplay. Parce que. Merde. Un petit M4A4 que j'utilise actuellement, elle est assez jolie, j'aime bien. Donc, ouais, je disais, je peux pas filmer avec Shadowplay. Que j'ai pourtant, étant donné que j'ai une carte graphique Nvidia. Parce que apparemment mon processeur n'est pas compatible. Pourtant mon processeur il est plus puissant que ce qu'il propose. Enfin bref, c'est pas grave. Il me semble que j'ai un octo-cœur qui donne hop, une petite Galil. Que j'ai un octo-cœur qui de qui est encore plus puissant que les i5. Et qui rivalise avec certains i7. Mais bon. Shadowplay ne veut pas de moi. Bon là il me reste plus qu'une seule. Une seule caisse. Il me semble que j'étais en train. Ah oui, j'étais en train de mettre de la musique à ce moment. J'étais en train de mettre de la musique Fairy Tail et tout pour faire genre ouais, je suis trop chaud et tout, je me motive. Et je devais être en train de partir dans un délire, genre oh, je vais tout défoncer. Allez, que la chance soit avec moi. Tous les trucs du genre, vous voyez. Mais malheureusement, ouais, je vais spoil, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai eu dans le cul. Enfin bref, j'ai été bien long quand même à choisir ce moment. Hein. Je suis en train de chercher la musique, je crois. Ouais, à un moment, je suis allé dans les dossiers. Genre, je me suis complètement trompé et tout. Ah bah, la voilà. La musique. Donc là, si je me rappelle, j'étais en train de taper un gros dégât, genre, allez, donnez-moi la clé. Attention, nous prenons la clé. Ouvrez un conteneur. Oh, quelle la puissance du dragon de feu soit avec moi. Ibir Matsu. Oh, Tsukio dans des gears. Eh, que dalle. Donc voilà, donc là je vais couper la musique comme un gros bouffon. Et j'étais deg. Parce que deuxième caisse opening. Et donc plus de 40 euros. Pour rien du tout. J'aurais acheté directement un couteau, ça aurait été cool. Mais bon, le principe est là, j'aime bien le hasard. C'est comme sur Hearthstone, j'aime bien. J'ai pas envie de crafter les clés. Enfin, en même temps, les clés et les cartes. En même temps, je peux pas trop. Et puis, bah voilà, quoi. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et lâcher un like et tout, etc. etc.